j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit haul aujourd'hui. Bah si, il y avait longtemps. Bah si, il y avait. Mais si, il y avait longtemps. Allez, je vais vous faire un petit haul avec la société Stamprink. Alors, je suis vraiment très, très, très contente. Ils nous envoient maintenant les colis dans un petit carton. Ça fait une espèce de box. Ce n'est pas une box. C'est un produit... c'est une box, pardon, que vous choisissez et que vous la remplissez, voilà, de votre commande. Et on vous l'envoie dans une petite, un petit carton qui est relativement sympa. J'aime beaucoup. Au moins, les produits ne sont pas abîmés. Bon, bien que j'ai jamais eu de problème avec eux, hein, mais quand c'était livré comme ça, sans carton, ça a toujours été soigneusement envoyé. Je suis vraiment très, très contente. Alors, je vous montre. Regardez, c'est tout en relief. C'est très très joli. Ça, vous pouvez le garder et vous faites un, voilà, vous remettez un petit truc là et puis vous gardez. Ça peut vous faire une belle carte. C'est très très joli. J'aime beaucoup beaucoup. Alors, bien sûr, la petite carte. Alors, dans cette box, il y a plein de belles choses. Si, il y a plein de belles choses, comme vous voyez. Regardez-moi ça. Des encres Stilzone. Parce que je trouve que travailler avec ces encres, c'est super, super bien. Comme ça, je vais pouvoir faire des petites diapos avec le thème végétal. Donc là, c'est Cité d'Émeraude. Oh, c'est joli ça. Olive, verte olive. Excusez-moi, je perds ma voix. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Vert cactus. Le monde entier est un cactus. Ah si, 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 il faut se le dire. Le monde entier est un cactus. On a du mal à s'asseoir. Hein. Si, si. Voilà, donc là, il y a trois verres différents. Voilà, bah, j'en profite je suis en partenariat avec ces sociétés pour pouvoir me procurer les Stilzone. Et j'en ai pris une blanche parce que je voudrais faire des choses avec des tamponnages en blanc. Et voilà, flocons de neige. Donc, j'en ai profité. Si toutefois, je vais faire, vous savez, avec les diapos, ça pourra me servir. Voilà, bon, c'est une Stilzone. Voilà. Dans quelle occasion, c'est que je regarde pour acheter les rochards, parce qu'on peut les acheter. Voilà, comme ça, au moins, vous achetez un pas d'encre, vous ne le jetez pas, vous le rechargez, c'est super économique. Et puis, voilà, ça peut vous durer pas mal de temps. Alors, sur cette petite boîte, c'est la petite boîte en carton. J'ai pris, si j'arrive à l'ouvrir, hein. Bah si, j'ai pris une jolie pince. Elle est très très jolie. En plus, c'est écrit Stamprink dessus. Magnifique. Avec un champignon. Bah non, vous n'êtes pas étonné. Hein. Bah non. Hein. Et allez, elle pince. Hein. Moi, je vais pas le mettre sur mon doigt. Aïe, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Ouais, tiens bien. Hein. Très très joli. Magnifique. Bon, il y a un petit ressort. Voilà. Bah, c'est une pince. Hein. Voilà. Pour mon art journal. Je suis désolée, je perds ma voix. Ce n'est pas évident. Je perds ma voix. J'ai pris des tampons. Très très joli. Alors, j'en avais déjà pris dans cet état d'esprit, mais pas comme ça, parce que je voudrais faire des petites... comment dire? Des petites impressions, vous savez, style machine à écrire. Alors, là, vous avez tous les lettres. Par contre, il faut le coller. Voilà. Ça, c'est la partie que vous allez tamponner. Ah, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je vais peut-être le faire avec vous. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Donc, il faut le lever. Ça évitera de mettre... Voilà, les doigts dessus. Attends,
Attends. On va le mettre droit, hein, parce que voilà. Hop. Voilà. Si on veut, on peut rajouter une petite colle, mais je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Je pense que ouais, je pense que je l'ai bien collé. C'est chouette. Regardez. Les lettres, elles sont toutes, toutes petites. Vous savez, hein, moi, j'aime bien tout ce qui est petit. Parce que quand je fais mes timbres, ça peut me permettre de faire des petites choses comme ça. Ça peut être pas mal. Bon, bien sûr, il est plus haut maintenant. Bah, si, il est plus haut. Voilà. Donc, vous avez les lettres. Et vous avez les chiffres. C'est pas mal. Franchement. Ouais, et puis c'est facile à mettre. Hein. Franchement, c'est vraiment super facile. Par contre, il faut bien faire attention au niveau du sens. Hop, je prends. Voilà, vous faites ça, vous prenez votre lettre. Hop, vous la mettez droite. Hop. Voilà. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Je vais bien m'amuser. Si, je vais bien m'amuser. Voilà, le jour que je m'ennuie, hop. C'est vraiment super chouette. Si c'est vraiment super chouette, j'aime bien les cacahuètes. Bah si, j'aime bien les cacahuètes. Je vous l'ai déjà dit, hein. Ça va être un petit peu haut. Voilà. Très, très joli tampon. J'aime bien les tampons en bois. Alors, ensuite, j'ai pris des petites... des petites étiquettes. Alors, hop, les petites étiquettes, on va les sortir. Ah, oh, c'est joli. Voilà. Je suis une dingue d'étiquettes. Ne me posez pas la question pourquoi, je n'en sais rien. J'aime bien les petites étiquettes. Vous voyez, tout ça, on peut en faire. Ah, c'est joli. Regardez, si on veut accompagner ça derrière une enveloppe, passe une belle journée. C'est sympa quand même, hein? Ouais, je perds tout. Non, mais dis donc, t'es pressé de te présenter? Eh, tu t'appelles Henri? Ben, moi non plus. N'importe quoi. Regardez. C'est joli, hein? Ouais, wow, c'est joli. Franchement, les formats, ils sont vraiment originaux. Originaux? Ouais, originaux. Hein. Bah, aussi, originaux. Vous avez en marron, vous avez en rouge. Ah, il y a pas mal de petites choses comme ça. Ils sont super sympas. On va faire des belles choses. Si, si, on va faire des belles choses. Je vous le dis. Regardez. Carte postale. Regardez, des petits timbres comme ça. En forme de timbre. De tag, pardon. Je mélange les mots, moi. Allez. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, tous des petites étiquettes. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne sais plus la quantité, mais c'est quand même assez... C'est là. Là. Il y en a pas mal, hein. Franchement. Qui y cru ? Sur le tutu, chapeau pointu. Je ne vais pas le remettre. Oh non, je ne vais pas le remettre. Allez, je vais mettre ça dans ma petite boîte. Vous voyez, hop, tac. Ouais, ça, non. Ça, je vais l'enlever. Je vais le mettre dans ma petite boîte. Il faut que je mette toutes les petites étiquettes. Comme ça, moi, j'ai tout sur place. J'ai pris des petites choses sur le thème couture. Couture vintage, voilà, ce sont des petits blocs. J'en ai pris un deuxième, je vais vous le montrer après. Oh, j'ai envie de couper les poupettes. Ça, on peut faire vraiment des très très belles choses avec. Hein. J'ai une idée dans la tête. J'aime bien les cacahuètes. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Ah, c'est classe. C'est beau. Vous voyez, les femmes, on peut les découper. Hein. Les papiers, hein, je ne parle pas des vraies femmes. Attention. Hein.
Ah, c'est chouette. On va faire plein de belles choses avec. Là, on peut les découper aussi. Ou bien, on peut prendre les trois. Ah ben, regardez. Très, très joli. Ah, j'aime beaucoup. À mon avis, c'était des patrons. Des patrons de couture. Vous voyez, Ellie. Regardez, là, donc. Voilà, patron. Il n'y a pas à dire, hein. Avant, il y avait vraiment de l'élégance, hein. Maintenant, on s'habille comme des sacs. Si, il faut se le dire, franchement, je suis désolée. Avant, il y avait de l'élégance. Sans parler de corset ou autre, parce que bon, ça, c'était quand même une torture. Hein. Si, c'était quand même des tortures. Enfin, c'est comme les soutiens-gorge, hein, de toute manière. Hein. Donc, oui, je sais, il y en a qui vont rigoler, vont dire n'importe quoi. Christelle, bah si, hein, c'est si, avec les baleines et tout, c'est une torture. Donc, regardez-moi ça. C'est trop, trop joli. Franchement, c'était joli. Hein. On va ouvrir le deuxième. Bah si, il faut ouvrir le deuxième. Bah si, on va ouvrir le deuxième. Avec les petites fifilles, regardez-moi ça. Pareil. C'était des patrons. Très, très joli. Magnifique. Bon, c'est vintage, hein. Donc, l'impression n'est pas non plus super étirée, super, vous voyez, comme maintenant on fait les images. C'est des reproductions, mais ça a tout son charme parce que ça fait vraiment rétro, ça fait vraiment vintage. Regardez-moi ça. Si on peut, on peut aussi l'imprimer sur du papier plus épais, si on veut. Regardez, on dirait Martine. Martine à la plage, Martine fait à manger, Martine va au cirque, Martine va au parc, Martine fait la vaisselle, Martine passe l'aspirateur. N'importe quoi. Très très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a celui-là. Les petites danseuses. Ah, c'est joli. Oh. Il y a de l'holographique. Il y a de l'holographique dessus. Regardez-moi ça. Oh, c'est joli. Une colle. Oh, c'est beau. C'est joli. Magnifique. En plus, ils sont bien. Regardez, ça fait un peu de relief dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Magnifique. Oh, les dessins, ils sont superbes. Très très joli. On va faire plein de belles choses. Si, on va faire plein de belles choses. Magnifique. Des papillons. Ben, c'est des papillons. Regardez-moi ça. Ah, ils sont grands. Très très beau. Oh là là. Ah, ils sont magnifiques leur emballage. Regardez-moi ça. Ah, c'est en double. Ils sont beaux. Il y a du foil. Oh, ils sont magnifiques. Oh là là, les couleurs. Oh, ils sont jolis. Ça, vous voyez, vous pouvez le mettre aussi sur des miroirs. Si vous voulez décorer chez vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre sur des miroirs, vous pouvez mettre sur des junk, vous pouvez mettre sur des albums, vous pouvez mettre sur pas mal de choses.
Oh, c'est joli. Ah, j'aime bien les papillons, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Regardez-moi ça. C'est beau. Magnifique. Très, très beau. Attendez, hop, j'en ai pris un. Ils sont magnifiques. Oh là là. C'est beau. Les couleurs, elles sont sublimes. On dirait vraiment des vrais papillons. Voilà, je peux en faire pas mal des belles choses. Bah si, je vais faire des belles choses. Voilà donc pour la petite vidéo. Bah écoutez, j'espère que cela vous donne envie de faire plein de belles choses comme moi, d'aller sur la boutique de Stamprink. Je vous mets comme d'habitude toutes les infos. Donc, je vous mettrai également, il me semble, un code promo si cela vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, vous pouvez très bien faire un petit tour, découvrir la boutique. Vous allez voir, il y a vraiment des très très belles choses. Moi, je suis vraiment super contente de ce nouveau partenariat. Ce n'est pas la première fois et je pense qu'il y aura encore d'autres opportunités. Enfin, je le souhaite. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Je trouve ça vraiment super bien, cette petite box. Alors, je suis très contente. J'ai reçu mes scales. Il y a vraiment des... Oh là là, un pur bonheur. Un pur bonheur. Voilà, je vous mets comme d'habitude donc tous les liens en barre d'infos. Vous avez également le code promo qui vous donne droit à une remise. Donc profitez-en si cela vous intéresse. Il n'y a pas de petites économies. Si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Sans quoi, bah tant pis. Tant pis pour vous. Non, je rigole. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker cette vidéo. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis bah écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bisous, bisous.